Yo les gens, c'est l'équipe des Peu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dans une ancienne carrière. Donc, on va faire le petit tour et puis on espère que ça vous fasse plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'est parti. Ça, c'est le bas de la carrière. Ouais, la vidéo, j'ai fait au-dessus. J'avais juste pas fait dans tout, donc je vais vous la faire vite fait. Ça, c'est ce qui transportait le gravier, tout ça, les pierres. Ça venait dans les cuves là qui sont juste en dessous. Je vais juste vous montrer un truc. Ça, c'est grenadé. Voilà le tapis de départ avec la grosse cuve du dessus que je vais vous emmener voir après. Là t'as l'eau qui monte pour faire tourner tous les tapis. C'est vraiment stylé et puis bien fait. Je vais vous emmener voir la cuve. Là les tuyaux. Et voilà. Là, on arrive à la cuve. En dessous il avait le tapis. Voilà. Ensuite, on va aller faire le bâtiment qui est là-bas. Et on se retrouve tout de suite. Nous sommes dans la deuxième partie. Enfin, nous allons peut-être faire la deuxième partie. Je pensais que ça devait être les anciens tapis où c'est qu'ils prenaient tous les cailloux, tout ça. Oui, il y a encore des cailloux, ça devait être ça. Ouais, oui, j'ai vu. C'était les cuves en dessous, ceux qui mettent les cailloux. Je sais pas s'il y en a beaucoup des carrières abandonnées comme ça. Je pense que ça doit pas être commun. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà fait des spots comme ça. Ouais, il y a des escaliers partout, mais bon, il faut faire attention si ça tient. Ouais, il a la route juste à côté, c'est pour ça qu'on entend les voitures. Alors je perds la vitesse. Ah mais la rivière, on pourrait y aller depuis la route. Si on peut y aller depuis la route. Donc là nous sommes dans... Je pense que ça doit être ce qu'il devait gérer avant. Ça devait être les bureaux, je sais pas quoi là. Comme ça a été ravagé en tout cas. Il n'y a pas grand chose. C'était les bestiaires. Ça, c'est petit. La rivière, c'est magnifique. Je kiffe trop la rivière comme ça. C'est un peu isolé, tout ça, avec les bois. S'il y a moyen d'y aller, tu comprends mieux qu'on peut y aller. Ici. On prendra pas pour la suite une autre partie du bâtiment. C'est le dessous du premier, on va dire, appart qu'on avait visité. Ah, c'est pas qu'il y a pas. On pourrait aller ici là-bas.
Oh, elle est là-bas, il y a des trucs. Oh, faut attention, il y a une cuve. Ça fait mal. Bien, yo les gens, c'est l'équipe des Peu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale. Nous sommes dans un hôtel abandonné. Donc on va faire des tours du lieu. Puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésite pas à t'abonner, puis à liker la vidéo, puis à partager, ça ferait extrêmement plaisir. Bon allez, sur ce, à tout de suite les gens. Allez, on va aller à l'intérieur. Ah ouais. Ça va être bien cassé quand même. Ça a l'air d'être grand quand même. Ouais, ça descend encore. Il y a le caveau en bas. Regarde le tag, comme c'est trop stylé. On va voir. Vas-y, attends, je vais faire deux. Elle descend au caveau. Dans l'absolu, c'est pas forcément que ça vaille le coup. C'est des caveaux. Là, tu vois bien qu'il y a des monstres. Besoin de passer par la porte. C'est bizarre, mais il faut passer par la cuisine. Ouais, deuxième et premier étage. On va peut-être pas trop marcher vu les trous qu'il y avait en dessous. Ah ouais, mais c'est... Ça a l'air vraiment tout cassé. Deuxième étage. C'est le grenier ça, non? Je crois qu'il y avait des champs là-bas.
plus bien, hein, plus qu'avec les fenêtres. Ouais. Ouais, puis regarde, ça devait faire les toilettes ou la douche. Ah ouais, grave, là-bas dans la forêt. C'est plus assez vieux quand même. Enfin, ça a l'air d'être bien vieux. Pas trop sur celle-là. Ah bah si, on peut rentrer par là. Ah ouais, elle est bien cassée la caravane. Ouais, je vois là. Ça va être stylé avant. Elle est encore en forme, on va dire.